Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Splatoon. Et nous allons continuer sur notre épopée sur le multijoueur. Toujours en max classique parce que nous sommes pas pro, tout simplement. Alors, let's go. Aujourd'hui nous allons jouer avec le marqueur léger. Pendant que rien du tout. Donc je suis niveau 8, bientôt 9. Dans 10 points en fait, tout simplement. Mais bon, que voulez-vous, c'est les aléas du jeu. De se faire troller, c'est pas grave. Donc une map dans laquelle j'ai joué pendant la vidéo que j'ai faite avec les amis. Alors le marqueur léger, le marqueur... commence à s'agrandir, ça me fait plaisir. Il y a beaucoup, il y a commence à avoir du monde qui commence à regarder des vidéos, ça me fait plaisir. Par contre, ça plus jamais les gars. Moi j'en colle partout, moi des bombes si ça continue. Donc la communauté qui commence à s'agrandir, ça me fait super plaisir. On voit les gens qui s'intéressent à tout ça. Petit youtubeur comme moi, ça fait plaisir. Nous sommes déjà... Et merde. 411 à... Au moment où je vous parle, ça se trouve, quand vous verrez cette vidéo, on sera peut-être 500, peut-être 1000. Oh, mon dieu. Oh, j'imagine pas. Ouf. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Il y a quelqu'un avec le pinceau, on va aller le buter là. Voilà. Oh bah il s'est retourné d'un coup, il nous a mis tard avec lui. Ah il a sacré chaussures, j'aime bien ses chaussures. Trois machins, donc pour l'instant moi je ne suis bloqué qu'à avoir deux atouts de plus que l'atout principal. Voilà, ça c'est calé. Cette map je l'adore parce que elle est différente des autres. J'avais pas vu que c'était pas nous. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. J'espère que nous allons gagner la première game, ce serait bien, une petite game qu'on gagne. Si vous vous souvenez de la vidéo numéro 2, on était tombé contre des niveaux 1. J'ai pas regardé quel niveau parce que. Enfin, garder la surprise. Donc j'aime bien le marqueur léger parce qu'il est rapide, très rapide. J'adore les armes rapides. Je pense pas que nous avons gagné, concrètement, peut-être, je sais pas. Peut-être que si en fait. Oh non! Ah 0-3 les gars! Oh punaise! Oh les boules! Ah punaise, ça se trouve les boules m'auraient fait la différence. Ah je suis deg, tant pis. Donc bah des niveaux 20 hein, ça change pas, nous sommes passés niveau 9. Bien joué les gens. Et bien joué parce que vous étiez avec moi, c'est pour ça que vous me donnez la force mes petits Iviens. Ça ira, alors je vais aller voir ce que j'ai débloqué. Nous allons faire notre petit côté shopping. Nous allons aller là monsieur pour le haut. Alors Léo, salut. Qu'est-ce que t'as de nouveau? Pas grand chose. Donc on va aller voir le mec avec les flingues parce que ça sera mon nouveau flingue et ce sera cool qu'on ait à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va aller voir chez... dans la galerie qui abat les armes. Eh bien salut!
Et une moyenne portée. Je prends. Et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Quant à nous, nous allons retourner dans le hall. Allez, c'est reparti. On va continuer avec le petit marqueur léger. J'ai dit que je vais vous dire la cadence, mais je suis oublié. Vous me pardonnez, s'il vous plaît. Alors, voilà, voilà. C'est parti. Alors, on va essayer de gagner. J'espère que nous allons tomber sur le centre Arowana. Et passer niveau 10, ce serait bien dans les deux prochaines vidéos que je compte vous faire pour vendredi, samedi et mardi. Voilà mon planning. Bon, c'est la même map, mais je l'aime bien, donc elle me dérange pas, je la kiffe celle-là. Elle est très sympathique. Ma couleur, alors là, je suis censé gagner, j'ai ma couleur. J'ai dit, on est censé gagner avec ma couleur. Ouais, voilà. Après, je me... Quelle est votre couleur préférée dans le... sur ce plateau? Ça m'intéresse, la couleur de l'encre, bien sûr. Je parle. Ouais, c'est celle-là. Celle que vous voyez à l'instant. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Pas l'eau. On va éviter d'aller foncer dans l'eau comme j'ai. Très bien. Très bien. Vous avez tous retenu son nom, David. David, tu es la cible du jour. Voire de la semaine, voire de l'année, voire de l'univers. Personne n'était là. Quand même, les gars, les points, ça vous dit ou pas ou... Alors, j'ai une question à vous poser. Quel mode aimeriez-vous voir dans le jeu? À part la domination et la capture de territoire. Parce que je sais qu'il y a la domination. La domination, c'est. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Parce que j'ai pas encore fait le match pro, mais je crois que c'est la capture de... Ça c'est le... guerre de territoire. Mais à moins de vous voir, genre par exemple... un mode match à mort où on doit faire le plus de kills, plus de calamars tués, et vous gagnez la partie. Un mode genre la mêlée générale, pour ceux qui ont joué à... Ok, qui ont joué à... Battlefield, Call of Duty, bah, tous les FPS quoi. Ou attendez encore mieux dans les TPS, Gears of War. Gears of War, le match à mort. Je n'avais plus rien, très bien. J'aimerais bien l'avoir l'équilibrateur pro là, s'il vous plaît. Par contre, si on perd, je serais pas d'accord, je veux pas perdre avec ma couleur. Non! Voilà, voilà. Bon, bah, ça fait deux games qu'on perd. Peut-être qu'un jour on gagnera une en vidéo. Qui sait? Si on pouvait éviter sur des niveaux 20, ça me ferait plaisir. Parce que la journée, bizarrement, dans notre journée, on tombe sur des niveaux 20. Mais genre, toi, t'es un petit niveau 8. Puis t'as tout le reste qui est niveau 20. Tu te dis, je vais me faire tuer. Et bah,
Bah c'est le cas, hein. La plupart du temps vous perdez votre match et ça vous donne la chance de tomber sur des gens qui savent à peu près jouer avec vous. Et bah c'est nickel. Alors oh, les trois rouleaux dans l'équipe adverse. C'est très équilibré tout ça. Donc une nouvelle map, super. Et en plus pas le poids, genre sur. Ah bah David, David il est mort, c'est bon, on l'a eu les gars, on l'a eu. C'était notre but sur cette vidéo, plus gagner une partie. Nous avons fait un objectif sur deux, nickel. Gaiement. Pour l'instant, ils sont en train de gagner du terrain. Je t'aurais tué. Bien. Un match parce que cette vidéo ne s'arrêtera pas tant qu'on n'a pas gagné une vidéo, une partie. Non, je rigole, elle va se terminer pour la prochaine et on se reverra pour l'épisode prochain. Allez, c'est parti. Non, c'est vrai, il commence à pomper tout. Oui, très bien, j'ai oublié de sauter, moi. Je suis douane. Allez, on va aller chez eux, tranquillement.
Voilà. Bah oui. J'ai quand même liquidé quelqu'un. Ouh là, lui il avait une armure du. Un peu. Je crois que c'est du. Il avait le haut du. Ah, de l'amiibo. Voilà, et on reprend sur ce petit chemin. Ah, on remonte. Hop. Voilà, c'est chez nous maintenant. Je suis pas en bonne posture, les gens. Ah bah oui, bah tiens. And the winner is Shiny. Nous sommes premiers de la game. Alors là, on a tué David, on a gagné une game et on a fini premier. Objectif bonus, nickel. Franchement. Pour la vidéo de vendredi, OP. Je vais vous montrer cette arme. Voilà. La cadence. Bah, la portée est très basse. Les dégâts aussi. Mais elle a une très bonne cadence. Donc qui permet de. Quand vous voulez aller loin. Au moins, quand vous lancez votre. Quand vous tirez. Et vous mettez un calamar, ça tout droit. Vous êtes tranquille. Et puis pour toucher les gens de loin, c'est mieux. Voilà. Donc, en tout cas, mes petits abonnés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire dire en commentaire tout ce que je vous ai demandé pendant la vidéo. À mettre un petit pouce vert sur cette vidéo, ça me fera un très grand plaisir. À la partager sur Facebook, Twitter, à me suivre aussi sur les pages que je mets dans la description. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.